Ce tutoriel présente l'association de détecteurs d'ouverture IOSOMFI, l'ajout de conditions de déclenchement et le couplage à un ouvrant. Allez sur le site Energeasy Connect et connectez-vous au compte utilisateur. Activez le mode expert pour déverrouiller l'ajout d'équipement. Dans la rubrique équipement, cliquez sur Ajouter. Choisissez SOMFI, sélectionnez Détecteur, puis Détecteur ouverture. Appuyez sur le bouton PROC du détecteur pendant 3 secondes. Le voyant vert du détecteur s'allume. Sur le site, cliquez sur Suivant et patientez jusqu'à la réussite de l'appairage. Personnalisez ensuite le détecteur en lui attribuant un nom et un emplacement, puis cliquez sur Appliquer pour terminer l'appairage. Le détecteur d'ouverture apparaît dans la liste des équipements. À présent, nous allons programmer à titre d'exemple le passage du chauffage en mode hors gel en cas de détection d'ouverture des fenêtres. Allez dans le menu Scénario et planification, choisissez l'onglet Conditions de déclenchement, puis cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle condition. Tout d'abord, il faut attribuer un nom à cette programmation, puis saisir les différentes caractéristiques telles que la plage de date, les jours de la semaine ou encore l'activité. À présent, il faut sélectionner le détecteur et définir l'état qui déclenchera l'action. Sélectionnez les radiateurs concernés ou ordonnez l'exécution d'un scénario préalablement défini. Pensez à activer les notifications pour recevoir sur un smartphone toutes les alertes liées au détecteur d'ouverture. Enfin, cliquez sur « Créer » pour valider la création de cette condition. Votre programmation est prête, elle s'activera automatiquement quand les conditions définies seront remplies. Lancez l'application Energeasy Connect. Dans le menu « Équipement », sélectionnez « Capteur » et « Détecteur ». Puis, détecteur d'ouverture. Vous pouvez lire en temps réel l'état et l'historique du détecteur. De plus, à chaque fois que la condition que nous venons de créer est remplie, une notification apparaît sur le mobile pour avertir la détection d'ouverture des portes ou des fenêtres. Si l'installation comporte des ouvrants sans retour d'état, par exemple une porte de garage RTS, notez qu'il est possible de coupler cet ouvrant avec un détecteur d'ouverture IO. Cela permet de visualiser l'état d'ouverture de l'équipement au sein de l'application Energeasy Connect.